au théâtre, à la première phrase, on comprend tout. Souvent, à ce moment précis, en coïncidence avec la première phrase, le temps s'arrête et ne passera plus. On est pris au piège. On ne peut pas sortir. On ne peut rien faire. On est cloué dans son fauteuil et le spectacle qui se déroule devant nos yeux durera des heures. Des jours. Des semaines. Des années. Cigarette et la mattina, la 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 la. Sotto questa pioggia fina, la 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 la. La speranza di riaverti se n'è andata già tempo fa. Cigarette e la mattina, la 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 la. J'aime revoir un film avec quelqu'un qu'il n'a pas vu. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours très envie de montrer que je l'ai déjà vu. L'autre le sait et n'a aucune raison de ne pas me croire. Mais je ne résiste pas à la tentation de prouver plusieurs fois que je l'ai déjà vu ce film. Alors je lui murmure à l'oreille, « Regarde bien la scène qui arrive, elle est magnifique !» Pendant la dite scène, je répète, « regarde bien maintenant !» Et à la fin de la scène, je m'approche de son oreille et je dis, « Elle était belle, n'est-ce pas ?» Maintenant, écoute, ça va être la réplique la plus drôle du film. Et puis après avoir écouté, c'était drôle, n'est-ce pas ?